Jésus venait de faire quelques miracles. Il a guéri des malades, guéri des sourds, ouvert des yeux des aveugles. Puis il a enseigné beaucoup. Et le monde était là. Et tout d'un seul coup, il a dit, changeons de bord. Allons sur l'autre rive. Et la Bible nous dit, il a chassé la foule. Il a chassé d'autres personnes. Et il est monté dans la barque avec ses disciples. Puis quelques-uns monté dans la barque pour aller à l'autre rive. Comme quoi, tout le monde ne peut pas aller à l'autre rive. Tout le monde ne peut pas aller dans une autre dimension. Pour aller dans une autre dimension, il faut des sélections. Il faut une sélection. Pour aller dans une nouvelle dimension. Il y a des fois, quand Dieu veut nous amener dans des nouvelles dimensions, il y a des sélections qui se font parmi nous. Il y a des trucs qui se font parmi nous. Mais nous-mêmes, surnaturellement, on ne comprend pas. Dieu le fait pour ton bien. Il y a des fois, Dieu crée des mouvements autour de toi parce qu'il veut t'amener dans une nouvelle dimension. Mais il y a des gens qui vont traîner, ils vont te tirer en bas. Donc Dieu les trie, Dieu les met de côté pour que tu ailles dans une nouvelle dimension. Dis à ton voisin, nouvelle dimension. Dieu le fait, nouvelle dimension. Alors, tu es dans la barque, il y avait d'autres barques avec eux. Mais tout d'un seul coup, il y eut un tourbillon. Des vagues de la mer se soulevaient. Et un tourbillon s'est mis sur la mer. Et c'était vraiment grave. Les disciples, parmi eux, il y avait Pierre qui était spécialiste dans la pêche, qui connaissait la mer, connaissait les vagues, sait comment les maîtriser. Il a essayé avec cette technique humaine. Avec son expérience, il a tout essayé. Mais rien ne va. Ça ne peut pas marcher. Quand il y a des vagues qui se lèvent qui ne sont pas naturelles, les moyens techniques ne peuvent pas arrêter. L'intelligence ne peut pas comprendre et arrêter cela. Ce n'est pas simple. Il y a un personnage invisible dans ce tourbillon. Et les disciples ont commencé à avoir peur que leur moyen technique a échoué. Tout ce qu'ils ont essayé de faire a échoué. La barque se remplissait déjà. On ne parlait pas des autres barques, mais on parlait de la barque où Jésus était, où ses disciples étaient. Alors donc, ce vent-là en veut à la barque de Jésus. Il a un problème avec la barque de Jésus. Il voulait empêcher la barque de Jésus d'arriver à l'autre bord, démontrer une autre dimension de sa personne. Alors les disciples étaient paniqués, qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Ils sont venus pour réveiller Jésus, mais les paroles qu'ils lui ont dit n'étaient pas des paroles des gens qui étaient sereins. Seigneur, nous périssons. Tu dors. T'occupes pas de nous. Nous sommes en train de mourir. Et tu dors. Mais Jésus s'est levé et dit, mais pourquoi vous me gênez? Où est votre foi? Il n'est pas écrit que je vais mourir dans la mer. Je ne vais pas mourir ici. Cette mer ne peut pas m'engloutir. Ce vent ne peut pas m'emporter. Quelle que soit sa force, je suis dans la barre. Je suis avec vous. Vous devez être tranquille. On va arriver à bon port. Et il les a laissés s'élever et dit, calme-toi. Vent, arrête. Il y a un grand calme. L'église Ambassade des Miracles organise son temps de jeûne et prière du 1er au 26 février 2023. 26 jours de jeûne et prière, 26 jours d'intimité dans la présence de Dieu, 26 jours pour asseoir la parole de Dieu dans ta vie avec des orateurs de taille, apôtre Henri Bernard de la Côte d'Ivoire, apôtre Yaoudra du Togo, prophète héritier grâce de la RDC, bishop Ouattara Mohamed Idriss, pasteur hôte de la Côte d'Ivoire et un orateur surprise. Thème, délivré de la force, psaume 103 verset 4. Date du 1er au 26 février 2023. Rendez-vous du lundi au vendredi de 18h à 20h30. Dimanche, deux cultes, 7h, 10h et 11h, 14h. Lieu, siège de l'église Ambassade des Miracles. Cocody, deux plateaux, Carrefour Duncan, route du Zoo. 2023, année de la grande victoire. Infoline, plus 225, 07 59 200 200.